regaló la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. Y la sonrisa de mamá al verme deletrear los primeros pasos, los poderes de sus dioses, su Dios y sus anhelos. Je ne sais pas, mais on l'a oui, ramené de là-bas. La porcelaine. Ce truc de là-bas. Je ne veux pas qu'une assiette soit cassée. Oh, Marinita, pour ces Marinita. Sacs, s'il te plaît. Lâche. Cette petite valise et cette autre-là, emmène-les au camion, s'il te plaît. Ça y est. Au camion, voilà, là-bas. Fais attention, voilà, Marinita. Tu sais qu'il y a aussi des choses de valeur là-dedans. Tu es un peu lent, dis donc, Aguilar. Colonel, je suis énergique. Si vous ne faites pas les choses vous-même, personne ne prend l'initiative ici. Mononita, tu sais. Regarde ces gens. Tu connais leur visage, mais... on peut jamais vraiment savoir ce qu'ils ont dans la tête, en fait. Oui, tu on sais que je suis là. On ne peut perdre aucune de ces boîtes. Oh, okay. Tu as l'air très élégant, viens. Toi aussi. Tu je reviens très tout beau, de suite, chérie. Sais. Je dois aller aux toilettes. Allez, continuez. Faites attention, on a trouvé la boîte avec les objets artisanaux ou pas? Oui, madame. Oui, c'est celle-là. Bonjour, ma Marie Marcita. As-tu pensé à moi? Parce que moi, c'est le cas. Oui, bien sûr. Comment se passent nos affaires? Eh bien, laisse-moi te dire que tout se passe très bien, comme prévu. Vraiment? Je t'appelais justement à ce sujet parce que je m'apprête à quitter le pays. Je pars rencontrer des fournisseurs, alors... Je me suis dit qu'il fallait que j'en parle à Marie Marcita. Car elle doit forcément se demander ce qui s'est passé avec ce colonel. Qui est venu, qui a parlé gentiment et qui a disparu. Et tu vas y rester longtemps? Eh bien, juste de penser que je ne te verrai pas pendant quelques jours va être une éternité pour moi. Mais non, ça ne devrait pas durer longtemps. Je reviendrai et vérifierai comment ça se passe ici. Et on verra comment nos affaires avancent et... pendant que j'y suis, je t'offrirai un petit quelque chose. Oh, comme c'est gentil, mais tu n'es pas obligé de le faire. Très bien. Alors, Marie Marcita, on fait comme ça, d'accord? Tu as déjà mon email, donc tout ce dont tu as besoin... tu peux me le faire savoir. N'hésite pas, même si je suis absent, je suis toujours connecté. D'accord. Ok, Monona, alors qu'est-ce qu'on fait? On y va ou pas? Parce que cet avion pour Washington ne nous attendra pas. Tu sais ce qui ne va pas. Ta fille s'est barricadée dans la chambre et elle ne veut pas y aller. Hein? Qu'en penses-tu de ça, chérie? Mais enfin, qu'est-ce qui va tiens, pas chez elle? Bon, alors, qu'est-ce qui ne va pas chez toi, jeune fille? Avec qui est-ce que tu parlais? Personne, papa. Est-ce que tu crois que l'avion va t'attendre jusqu'à ce que t'en aies envie? Allez, emballe ces trucs et on y va. Papa? Quoi? Mais je... je dois te dire quelque chose. Tu me le diras dans l'avion. On va avoir 5 heures dedans, alors je veux que tu sois dehors dans 2 minutes. Barragan et sa famille doivent s'envoler pour Washington au moment où nous parlons pour prendre la commission, mon général. Espérons que pour l'instant, ils ne décident pas de continuer à interrompre notre enquête, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est exactement ce que je voulais vous dire, mon général. Je vais rester ici à Bogota pendant quelques mois pour pouvoir m'occuper personnellement de l'enquête, car sinon nous ne verrons aucun progrès. Je suis entièrement d'accord avec vous, colonel. Nous serons en contact tout le temps, de toute façon. Oui, bien sûr, mon général. Et merci encore pour tout votre soutien. Oui, merci, colonel. Si vous voulez bien m'excuser. Ok, j'y suis presque. Oh, mais attends, je reviens tout de suite. Comment ça va, Belki? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Écoute, Belki, je voulais te dire que si tu as besoin de moi, je peux être ton témoin. Je sais comment est Natalia et je sais qu'elle l'a fait juste pour te mettre en colère.
Merci, mais ça servira à rien. Et de toute façon, je voulais aussi m'excuser parce que je me sens mal. C'était mon idée de faire venir travailler ta mère ici. Je savais que c'était une très mauvaise idée. Ok, pour finir maintenant, j'aimerais vous laisser un cas afin que vous puissiez l'analyser, l'évaluer et me donner une réponse. Le cas est le suivant, attention, un patient arrive aux urgences, le patient est hémophile, d'accord? Il a une coupure superficielle, mais il saigne abondamment. Le médecin commence à suivre le protocole, d'où la nécessité d'une transfusion sanguine au patient. Tandis que pendant ce temps, un historique clinique est établi et les questions appropriées sont posées, parmi lesquelles la question de savoir si le patient pratique une religion en particulier. Le patient dit que oui, qu'il est catholique. Le temps passe et la famille du patient arrive et découvre la transfusion sanguine. Ils disent que c'est une grande tragédie car ils sont témoins de Jéhovah et accusent le médecin d'avoir effectué une procédure qui va à l'encontre de tous leurs principes. Que doit faire le médecin dans ce cas? Eh bien, il doit se défendre, n'est-ce pas? Dire ce qui s'est passé, qu'il a interrogé le patient et que le patient a dit qu'il était catholique. Non. Non, le médecin ne peut pas faire ça. Il ne peut pas briser son secret. Oui, je suis d'accord, il y a un code éthique. Oui, mais ce code doit être établi sur une base de vérité. Le patient a menti au médecin pour qu'il effectue la transfusion. Ou peut-être pas. Peut-être qu'il s'est converti et que c'était son grand secret. Ok. Je pense que vous avez commencé à spéculer un peu sur quelque chose dont vous n'êtes pas sûr. Donc, vous devez préparer, enquêter, aller à la bibliothèque et parler avec un vrai médecin. Lui demander et m'apporter la réponse demain. Est-ce que c'est d'accord pour tout le monde? Ok, on finit. Oh, Belki. Le doyen m'a demandé de commencer aujourd'hui les séances consultatives avec toi, donc je te verrai à 3h dans mon bureau, ok? Victor, alors dis-moi, est-ce que t'as fini par aller chez Natalia? T'as parlé à sa mère? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'étais là, mais je sais pas où il était. Je crois qu'ils sont en voyage, un truc comme ça. Mais avec qui ils ont laissé la petite fille? Eh bien, je sais pas. Victor, t'étais mon dernier espoir. J'ai besoin de savoir ce qu'elle va faire, si elle va m'accuser ou si elle va admettre qu'elle était en partie responsable pour tout ça ou quoi. Écoute, Belki, j'ai déjà fait ce que je pouvais, ok? Je peux pas faire grand-chose de plus, d'accord? Je comprends, mais on en parle plus tard, d'accord? Oh, docteur. Je suis sûre que tout ça est un coup monté. Hein? Parce que les séances de conseil... Enfin, la dernière chose que je veux en ce moment, c'est un conseiller, je le jure. Mais pourquoi es-tu surveillée comme ça, Belki? Et si tout ce que ce psychiatre voulait savoir, c'était ce qui s'était réellement passé hier? Non, docteur. Ce professeur m'a dans le collimateur depuis le tout premier moment où j'ai mis les pieds à l'université. Il a commencé à poser plus de questions qu'il n'en avait besoin, se demandant pourquoi j'étais au courant de ceci ou pourquoi je n'aimais pas cela, pourquoi? Ok, mais c'est une personne très importante. Il occupe un poste très important là-bas. Peut-être qu'il veut simplement te parler, savoir pourquoi tu réagis de cette façon. Et cet homme, tu sais, c'est un vrai professionnel. Il laissera ses préjugés de côté en dehors de la consultation. Hmm? C'est exactement le problème, docteur. Il pense que j'ai poussé une camarade de classe avec une telle force que je l'ai envoyée aux urgences et que je lui ai ouvert la tête. Et alors, quelle est ta version des événements? Quelle? A attaqué ma mère en la forçant à toucher un cadavre alors qu'elle voulait pas. Laisse-moi voir si je comprends. Tu ne voulais pas que ta mère vive ce que tu as dû subir. C'est-à-dire être forcée à faire quelque chose qu'elle ne voulait pas. Hmm? Alors tu as donc demandé à ta camarade de classe de la laisser tranquille. Mais ta camarade ne l'a pas fait. C'est ça? Et tu as fait d'une certaine manière pour ta maman ce que tu aurais voulu que quelqu'un fasse pour toi. C'est-à-dire te sauver de cette situation et ne pas être forcé de vivre ce que tu devais vivre. Récupérez-le, je vais pas repartir les mains vides. Allez, dépêchez-vous. Non! Si vous voulez m'emmener, faites-le, je suis forte. Regardez, il ne l'est pas, il n'y arrivera pas. Belki, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu aurais voulu que ta maman te sauve, en fait? Que ta maman te sauve et ne les laisse pas t'emmener, c'est ça? Eh bien, je pense que c'est un bon argument. Et que n'importe qui serait capable de comprendre. Mais non, docteur.
Je ne vais pas lui dire. Belki, mais enfin, nous savions très bien que cela pouvait arriver. Et tu es déjà préparée. Ou tu allais les laisser t'expulser de l'université à cause de ça? Et personne de ta famille t'a rendu visite? J'ai appelé mes parents, mais ils étaient occupés. Mais t'inquiète, je vais bien. Eh bien, si tu rentres à la maison, je peux t'emmener. Non. Je vais à la faculté parce que tu sais quoi? Personne ne devrait être autorisé à essayer de tuer à l'université et à s'en tirer sans problème. Attends, attends. Je vais t'aider. Bon, voilà un formulaire de plainte. Vous devez le remplir, le rapporter et je le soumettrai au conseil académique. Mais disons que le professeur Arminio nous a déjà dit ce qui s'était passé, mais on attend que vous déposiez une plainte formelle. Je vous ai dit qu'il y avait plus derrière ces sourires qu'elle fait en classe. Je vous l'ai dit, n'est-ce pas? Oh, alors, tu as déjà une conclusion sur ce qui s'est passé? Non, non, je dis juste ça à cause de ce que j'ai vu. Eh bien, dans ce cas, je te conseille d'oublier tout ce que tu as vu. Ou attends de voir et évite de tirer des conclusions personnelles jusqu'à ce que vous ayez réellement terminé le conseil consultatif avec elle. Ces débats autour des comportements sont toujours tellement compliqués qu'au final, il est vraiment difficile de savoir où on en est. Non, c'est pour ça que nous disons qu'il existe une procédure pour éviter ça. Pour éviter les opinions personnelles. Oui, oui, mais cela vaut la peine d'être observé. C'est important, n'est-ce pas? Bah oui, mais disons qu'on parle d'un avis préalable. Je veux que tu aies un témoignage vraiment direct. Connie, qu'en penses-tu? Ah, désolée, qu'est-ce que t'as dit? J'ai été distraite une seconde. Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Je vais te reposer la question dans une minute. Tu as changé ton mot de passe? Oui, parce qu'ils ont recommandé de le faire régulièrement. Non, ils recommandent également au conjoint de connaître le mot de passe, au cas où il aurait besoin de passer un appel d'urgence. Rien ne doit être caché au conjoint, tu sais. Qui aimerait un café? Moi. Ouais? Ça te tente un petit café? D'accord. Ok, il faut que j'y aille. Je dois continuer ma journée. Docteur. Oui? Passez une bonne journée. Merci, docteur. Tiens, ma belle, ton café. Oh, merci. Salut. Madame... Madame Iria, comment allez-vous? Je suis très inquiète de ce qui pourrait arriver à ma fille. Non, madame, vous inquiétez pas. On trouvera quelque chose, j'en suis sûr, tout ira bien. Je l'espère. Comment ça va, Victor? Docteur? Bonjour, comment allez-vous, madame? Très bien, merci, monsieur. Et qui était-ce? C'est le prof d'introduction à la médecine et à la psychiatrie. Mais il a l'air d'être plutôt sympa, non? Eh bien, c'est lui qui va donner des conseils à Belki. Il va prendre le cas et va décider ce qui va se passer et tout ça. Et si je lui parlais, moi? Oh non, madame, je pense pas que ce soit une bonne idée. Mais pourquoi pas? Pourquoi lui ferait-il payer tout ça à ma place? Parce que c'est pas votre faute, madame. Écoutez, pourquoi on fait pas comme ça? Attendons de voir comment ça se passe entre Belki et le médecin. Car je pense que si vous intervenez, les choses vont pas s'améliorer, d'accord? Merci, madame. Au revoir. Bonne vas-y, soirée. Vas-y. Nous savons donc ce qui s'est passé maintenant. Et j'aimerais vous demander pourquoi vous avez réagi comme vous l'avez fait. Je vous l'ai déjà expliqué, docteur. Elle a attaqué ma mère. Je lui ai dit d'arrêter et elle ne voulait pas.
Bien sûr, et comme elle ne voulait pas, tu as décidé de la pousser contre le mur. Non, non, monsieur, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Je lui ai donné une petite poussée et elle est tombée. Ah, une petite poussée. Et grâce à cette petite poussée, Natalia a subi un traumatisme crânien encéphalique. Rien qu'une petite poussée. Ok, mais j'étais bouleversée. J'ai pas réalisé ma force. Et pourquoi étais-tu en colère ? À quoi pensais-tu à ce moment-là ? Ne t'en fais pas. Si tu ne veux pas en parler, c'est pas grave. Nous avons une heure. Prends ton temps, quand tu seras prête, nous en parlerons. Et que t'a dit cet homme ? J'ai rien dit et je dirai rien à ce psychiatre qui se trouve être aussi mon professeur. Moi non plus, j'ai pas le mot de passe de ton portable. Mais je n'utilise pas de mot de passe. Je n'utilise rien. Tu peux regarder, tu peux vérifier tout ce que tu veux. Qui m'appelle, qui m'écrit... Je ne sais pas, je n'ai pas de secret. J'ai pas de secret non plus et j'ai pas besoin de voir ton portable. Ok, alors pourquoi tu mets un mot de passe sur ton portable ? Ben, je sais pas, mon téléphone portable traîne tout le temps à la fac, tu sais comment c'est. Et si quelqu'un le prend et passe un appel ou voit mes photos, ben ça me plaît pas. Eh bien, si quelqu'un vole ton téléphone portable, nous passons un appel et puis nous l'annulons, puis nous en achetons un autre. En plus, tu as toujours ton téléphone près de toi. Ben, je sais pas, j'aime bien voir un mot de passe sur mon téléphone. Où est le problème ? C'est tellement... inconfortable dans la salle des professeurs, n'est-ce pas ? Quand on parle et qu'il y a d'autres personnes qui discutent. Je veux dire, vais-je devoir interdire l'utilisation des portables ? Et puisque nous en parlons... Avec qui tu parlais ? Quand ? Dans la salle des professeurs. Avec une amie. Hein. Tu vas devoir me présenter à ton ami, parce que... Parce que ton visage s'est illuminé quand il t'a écrit. Oh, et il va falloir aussi lui trouver une petite amie, parce que... Avec tout ce temps libre qu'il a, il n'arrête pas d'écrire. Tu ne vas pas répondre ? Quelle surprise ! Oh, tu vois ! Qu'est-ce que tu fais ? Pas grand-chose, j'essaie juste de trouver quelque chose pour mon cours d'introduction de demain. Oh, quelle gentille fille ! Et tu as déjà mangé ? Oui, j'ai déjà mangé. Bien sûr. De quel genre de questions s'agit-il ? J'avais oublié que tu étais la personne gâtée de cette maison et que ta maman te sert de grands banquets tous les jours et tous les soirs aussi. Évidemment, et quand elle n'est pas là aussi, parce qu'elle laisse toujours ma nourriture prête, donc je dois juste la servir. Oh, tu vois, une fille très gâtée. Je te l'avais dit. Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui ? Tu étais servie à table ou était-ce en self-service ? Non, Cogny est là. Mais c'est quoi cet interrogatoire ? Tu vas m'inviter à dîner ou pas ? Oui. Je voulais le faire. Je voulais sortir, prendre un verre et fêter mon anniversaire. Quoi ? Comment ça, ton anniversaire ? Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant, voyons ? Je ne sais pas. J'ai eu un rendez-vous aujourd'hui à l'université avec tes parents. Et je ne leur ai rien dit non plus. Si tu acceptes de m'accompagner, je t'aiderai même avec ce que tu as pour demain. Eh bien, arrête de me gronder et viens me chercher immédiatement, d'accord ? Allons faire la fête, s'il te plaît. Allez, vas-y ! D'accord, je sors un moment. Je te verrai plus tard. Mais tu ne devais pas étudier ? Oui, mais je vais sortir étudier avec Rodrigo et fêter son anniversaire. Personne ne l'a célébré avec lui. C'est son anniversaire alors ? Oui, comme c'est gentil, hein ? Personne ne le savait à l'université ? Eh bien, il vient de me le dire et m'a demandé de sortir avec lui pour prendre un verre parce qu'il était très seul. Oh, le pauvre, comment D'accord. puis-je dire non ? Quoi qu'il en soit, je pars. À plus tard, les gars.
Comment ça va? Comment ça va? Que se passe-t-il avec cette histoire de fille qui pousse l'autre? Rien pour l'instant. Mais si tu veux en savoir plus, il me semble qu'elle va devoir quitter l'université. Non, cette fille est si intelligente, Horatio, cela devrait l'aider. Non, mais dans ce cas, ça n'a pas d'importance. Eh bien oui, il semble qu'elle va devoir partir. D'accord, à bientôt. Bonjour, docteur. Bonjour. Est-ce que je pourrais vous parler une minute? Oui, entrez. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Ravi de vous rencontrer. Je m'appelle Horatio. Comment allez-vous? Je m'appelle Mireia, je suis la mère de Belki. C'est que... je voulais juste... comment puis-je dire ça? Oh mon Dieu, j'espère que je n'aggrave pas les choses. Je voulais vous parler avant que vous ne preniez la décision d'expulser Belki. Je voulais juste vous parler un petit peu. C'est parce qu'en fait, Belki n'est pas comme les autres filles ici. Vous savez, les autres étudiantes. Que voulez-vous dire? Eh bien... en fait, elle a eu une vie très difficile. Je t'ai appelé toute la nuit, je t'ai écrit et tu n'as pas répondu. Ton téléphone est en panne? Non. Alors, comment s'est passée la fête? Joyeux anniversaire, en fait. Ah oui, l'année dernière, c'était génial, mais cette année, mon anniversaire n'est pas encore passé. Comment ça? Eh bien, l'histoire de l'anniversaire était un mensonge. Pour voir si tu pouvais m'inviter chez toi, tu vois, quelque part. Je te crois pas. J'ai dû même sortir avec Juliana pour fêter ça. Ouais, je suis au courant. Si je t'ai pas répondu, c'est parce que je pouvais pas. T'as pas vu la réaction d'Alfonso dans oui. La salle des professeurs? Oui, mais j'espérais aussi que tu ne laisserais pas gagner cette bataille. Quelle bataille? Celui de donner ton mot de passe. C'est mon mari, non? C'est ta vie. Oui, mais c'est pas aussi simple que ça. Tu sais que c'est impossible? De renoncer à avoir sa propre vie? Même dans les meilleurs mariages, les gens ont le droit d'avoir des secrets. Des petites choses dont personne ne sait rien. Et d'ailleurs, personne ne fait rien de mal ici. Non. Parce que ce qui serait mauvais, ce serait que tu n'aies pas droit à ces quelques instants pour toi. Car ignorer, c'est mauvais. D'accord? Tu m'as compris? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as rien à dire? Je sais pas, ouais, t'as peut-être raison. Ok. Au revoir. Au revoir. Je ne t'enverrai plus jamais de message. D'accord? Mais si tu m'envoies un demi-message, seulement un demi-message, je serai très heureux. D'accord? Au revoir. Peut-être que tu peux écrire que tu as quand même aimé me voir un tout petit peu. Parce que moi, j'ai besoin de te voir pour survivre, d'accord? Allez, au revoir.